Bonjour, je suis ta petite voix et je viens te dire aujourd'hui 26 janvier. Tu sais, tu ne peux pas créer le nouveau en demeurant immergé dans l'ancien et tu le sais au fond de toi. Un nouveau-né, eh bien, ne peut demeurer attaché à sa mère. Le cordon ombilical doit être coupé afin qu'il devienne un être autonome. Eh bien, il en est de même avec cette vie spirituelle. Une fois que tu as mis le pied sur le chemin spirituel et que tu as décidé de vivre selon les voies de l'esprit, tu dois faire une coupure nette avec ton ancienne manière de vivre, ton ancienne manière de voir. Tu ne peux pas avoir un pied dans chaque monde, mais encore une fois, le choix t'appartient. Ne reviens pas sur ce choix. Avance. Avance sans cesse. C'est quand la marche est rude que tu peux désirer fortement les soi-disant bons vieux jours et vouloir retourner en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière possible dans cette vie. Un bébé ne peut pas retourner dans le sein de sa mère quand la vie lui devient trop pénible. C'est le même pour toi, tu ne peux pas revenir en arrière. Un poussin ne peut retourner dans sa coquille, n'est-ce pas ? Ni un papillon dans sa chrysalide. La vie ne peut retourner en arrière. Elle doit aller en avant, toujours en avant, avancer et ne pas reculer. Laisser l'ancien derrière soi. Je te souhaite une très belle journée, douce pensée.